Dans la vie de tout disciple de Christ. Comme nous nous détournons des ténèbres et que nous nous tournons vers le Saint-Jésus-Christ pour être notre Sauveur, il brille la lumière, il fait resplendir la lumière de Dieu, la lumière de l'Évangile, il fait luire la lumière de la vérité dans tout cœur. Il donne ainsi de refléter cette lumière, sa propre lumière, afin que nous puissions être les enfants de dieu, les enfants de la lumière, et également des enfants de la justice. cette lumière a, commence au point du salut et se poursuit dans notre vie jusqu'aux autres, de manière plus étendue, plus large, plus profonde. Jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur face à face. Voyons dans Proverbe, Proverbe, Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 4, le verset 14. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont, voyez cela, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La vie, la voix des méchants est comme les ténèbres. Mais la lumière du croyant ne doit pas s'éteindre, elle doit aller resplendissante de plus en plus jusqu'à ce que nous puissions voir le jour de la perfection. Cela ne donne aucune place à la rétrogradation. Cela ne fait de quelqu'un de dire Maintenant je vais resplendir, je vais maintenant décroître, je vais briller moins. Non! Mais cela, il nous dit, nous, cela nous rend plus éclatants, de manière plus croissante jusqu'au jour, oh, jusqu'au milieu du jour. Job chapitre 17, verset 9. Job chapitre 17, verset 9. Job chapitre 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ainsi, comme nous sommes la lumière dans le monde, partout nous allons, nous resplendissons. Et plus nous connaissons le Seigneur, plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous expérimentons le Seigneur. Le Seigneur ayant, ayant des expériences chrétiennes définies, nous brillons de plus en plus. Jean chapitre 9, Jean, chapitre 9 verset 5. Jean chapitre 9, verset 4. Il, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est la lumière resplendissante et il nous la transmet pour que nous également, nous puissions briller et resplendir de plus en plus dans sa lumière. Nous voyons sa lumière. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 4. Nous sommes comprenons cette comparaison comme lui-même. Il est dans la lumière. Comme il est, comme Christ est lui-même dans la lumière. Comme Christ marche dans la lumière. Comme Christ manifeste la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Je prie que la lumière du Christ brille dans chacun de nous, dans chacun de nos cœurs. Dans Philippiens chapitre 2, Philippiens, Philippiens 2 verset 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est clair dans la parole de Dieu, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, de manière claire que si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes des enfants de Dieu, nous serons des enfants de lumière, nous allons marcher dans la lumière, nous allons vivre dans la lumière, nous ferons toutes choses dans la lumière, afin que la lumière de Christ, la vie, la lumière de la, du caractère chrétien puisse briller au travers de nous. Alors nous brillons à travers sa lumière, nous brillons comme des flambeaux dans le monde corrompu, portant, verset 16, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour, de Christ. Qu'est-ce que cela implique Qu'est-ce que cela profite de la marche des Philippiens pour que Paul se réjouisse La signification, c'est ceci. Si les croyants convertis à travers la prédication de l'apôtre Paul, rendus matures à travers la formation de hauts disciples, s'ils marchent dans la lumière, alors Paul... Aurait quelque chose à montrer comme résultat au jour de la récompense. Et il aura ainsi la récompense pour ce qu'il a fait. Ainsi, il pourra se réjouir. Si de l'autre côté, de côté il, il professe être sauvé, il professe être converti, il professe être venu au Seigneur au travers le ministère de l'apôtre Paul. Mais il marche dans les ténèbres. Les ténèbres du caractère les ténèbres du comportement, les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres du mal. Ainsi, ils ne vont pas aller au ciel finalement. Et l'apôtre Paul va venir au jour du compte rendu. Quel sera le fruit Il n'y aura pas de joie. Je prie que nous aurons la joie sur vous au nom de Jésus, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain. Ni travailler en vain. Le Seigneur compare, au, compare le vrai chrétien comme la lumière et le sel. Le sel et la lumière. Cela veut dire que nous ne sommes pas supposés être cachés dans les ténèbres comme des enfants de la nuit. Nous ne sommes pas supposés être amers, comme si nous étions dans le noir mauvais ou des hommes de poison ou nous devons être des hommes influençants de manière positive nous influençons des gens avec qui nous côtoyons ainsi nous devenons conscients nous nous devenons conscients de leur état les amenant ainsi à sortir de leurs mauvaises actions et à placer leur confiance en Christ nous allons tellement influencer les pécheurs autour de nous pour que ces pécheurs puissent avoir le désir d'être comme nous, être nés de nouveau, des croyants, des enfants de Dieu, marchant dans la lumière, comme des enfants de lumière. Ainsi, nous devons influencer également les saints, les enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent aimer avancer, aimer faire des progrès à cause de la puissance, à cause de l'influence de notre vie sur eux. Ce soir, considérons le message titré. Refléter la lumière resplendissante de Christ dans le monde ténébreux et corrompu. Alors, le monde était. Nous reflétons cette lumière resplendissante de Christ dans le monde dans lequel nous vivons. Ce monde ténébreux et corrompu. Refléter, le message est hein? refléter la lumière resplendissante de Christ dans le monde ténébreux et corrompu. Trois points à considérer. Premièrement, l'utilité et les caractéristiques des serviteurs remplis de sel et sanctifiés l'utilité et les caractéristiques des croyants des croyants remplis de sel et sanctifiés Matthieu chapitre 5 la première partie du verset 13 Matthieu chapitre 5 la première partie du verset 13, Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Il, il s'est adressé à eux individuellement. Il s'est adressé à eux de manière collective. Il s'est adressé à eux comme un individu, Pierre, Pierre en tant qu'individu, Jean en tant que... Individu, Matthieu en tant qu'individu et ainsi en tant que croyant individu. En tant que des croyants individus, vous êtes le sel de la terre. Mais il les a parlé aussi comme une congrégation, une assemblée, une communion des croyants et des saints mis ensemble. Vous êtes le sel de la terre. Comme nous mentionnons le sel, nous devons comprendre que Dieu fait de vous Dieu fait usage de ce mot sel dans notre vie privée. Numéro 2, dans notre famille. Numéro 3, dans l'adoration de Dieu. Numéro 4, dans le monde au, sens, le plus, au plus large sens du mot. Vous voyez comment Dieu utilise ce mot sel. Il utilise ce mot sel de diverses manières. Et il, nous réfère. Et il nous dit voici ce que nous sommes, voici ce... qui nous sommes. Lévitique. Lévitique, chapitre 2, Lévitique 2, 13. Lévitique 2, 13. Lévitique 2, 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Vous voyez Ton offrande au Seigneur, ton sacrifice au Seigneur, Et il dit que cette offrande ne, ne, doit être assaisonnée de sel. Ton offrande ne doit pas manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Tu ne dois pas oublier cela. Tu offres quelque chose à Dieu. C'est un holocauste, quel que soit le type d'offrande. Vous offrez cela comme une bonne odeur à l'Éternel. Le sel ne doit pas y manquer. Le sel ne doit pas y manquer. Ton offrande, toutes tes offrandes, vous mettrez du sel. Vous devez peut-être vous demander si les choses que vous demandez, vous les offrez au Seigneur. Est-ce que ces choses sont mises de la grâce? Est-ce que ces choses sont peintes de la grâce? Est-ce que ces choses contiennent ce qui plaît au Seigneur? Ou bien vous offrez seulement lorsque ces choses manquent de sel de l'assaisonnement De sel? Dans Ézéchiel, chapitre 43. Ézéchiel chapitre 43. Nous lisons le verset 24. Ézéchiel chapitre 43, verset 24. Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Comme vous offrez au Seigneur, vous offrez, vous, vous offrez vous-même, vous offrez votre sacrifice au Seigneur et vous, vous offrez votre compétence, vos habiletés, mais même vos prières au Seigneur. Si ce est-ce que cela est assaisonné du sel de la grâce, est-ce que tout cela est assaisonné de du sel qui plaît au Seigneur, ou bien nous le faisons juste parce qu'il faut faire, on le fait, le cœur n'est pas là, la, la grâce n'est pas là, plaire au Seigneur, le fait de chercher à plaire au Seigneur n'est pas là, la sérénité d'offrir au Seigneur n'est pas là, mais je dois offrir au Seigneur de tout mon cœur, cette pensée n'est pas là. Si vous le faites, si vous ne faites pas usage de ce sel dans le sacrifice que vous offrez au Seigneur, et dit que le sacrificateur les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Revenons dans Job chapitre 6 Job chapitre 6 verset 6 aux yeux de Dieu dans le service de Dieu, la manière dont il utilise, il utilise le mot sel et la manière dont il espère que nous puissions apporter du sel dans notre service, dans notre adoration, dans tout ce que nous faisons. Dans Job chapitre 6, verset 6. Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est fade, et sans sel Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un oeuf? Il veut dire... Parlant du repas spirituel, nous devons y mettre du sel. Il y a certaines doctrines qui, naturellement, de manière normale, les gens qui l'entendent, cela peut ne pas être un plaisant, intéressant. Quand nous parlons de la restitution, ce n'est pas toujours un sujet intéressant. Quand nous parlons du sacrifice, le renoncement à soi, ce n'est pas toujours du, un sujet intéressant. Quand nous parlons de la fin du pécheur qui ira en enfer et après le, le fait de quitter le péché, ce n'est pas toujours intéressant. Mais si nous n'avons si pas le sel de la grâce dans l'enseignement que nous donnons, alors cela va, c'est ce, ce, fade. Les gens vont rejeter cela. Mais le Seigneur nous dit, vous considérez, vous recherchez cette, ce sel de la grâce dans ce que vous enseignez et vous aspergez cela dans tout ce que vous enseignez. Vous mettez cela dans le repas que vous offrez au peuple. C'est alors que vous porterez de fruits. C'est alors que le peuple pourront, pourra prendre, recevoir, déguster ce que vous offrez. Venons dans deux rois. Deux rois chapitre 2 Deux rois chapitre 2 le verset 19 Deux rois chapitre 2 verset 19 Les gens de la ville dirent à Élisée Voici le séjour de la ville est bon la situation de la ville c'est bon c'est bon j'allais dire Voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Quand vous considérez la situation, considérez la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez une maison et peut-être vous avez loué une maison et que le propriétaire a bien construit la maison et avec la solidité et la stabilité de la maison, la fondation, tout est parfait et la peinture, tout est parfait concernant la toiture, le plafond, tout est parfait. Mais la seule chose, c'est que il n'y a pas le sel. Ce que vous êtes là, cela ne vous donne pas du malaise, mais cela vous donne la possibilité de tomber même malade dans cette maison à cause de cette situation. Peut-être il n'y a même pas du climatiseur, même s'il y, si y a du ventilateur, le ventilateur souffre souvent du vent et que vous n'êtes même pas capable de dormir la nuit. Vous avez même envie de prendre votre natte ou bien votre matelas pour sortir au dehors, aller libre, à moins qu'il n'y ait pas quelque chose, à moins qu'il n'y pas de possibilité de le faire, à cause de l'insécurité. Mais on, ici, le même cas, les gens ont dit on dire à Élisée, si vous considérez tout l'aspect visible extérieur, tout paraît bon mais les eaux juste les eaux ne sont pas les eaux ne sont pas potables verset 20 il dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel comme nous revenons à notre propre situation considérons notre église nos bâtiments tout est bon tout est le standard tout ce qui se voit quand les gens voient l'image, la maquette, ils sont vraiment intéressés. Mais qu'en est-il de ceux qui adorent à l'intérieur? Est-ce que nous avons le sel qui assaisonne? Est-ce que nous nous assaisonnons nous-mêmes? Est-ce que nous nous encourageons? Est-ce que nous sommes contents d'être ensemble? Est-ce que nous sommes gentils? Est-ce que nous sommes gentils? Bon, Est-ce que nous sommes solides comme le bâtiment lui-même? Est-ce que nous paraissons beau, bon comme le bâtiment paraît beau? C'est ce que c'est ce ce de quoi nous parlons. Maintenant, le sel, nous devons apporter le sel dans notre sacrifice. Dans toute situation, il dit, apportez-moi, apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Voyez, il alla, verset 21, vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux, j'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort. En mettant seulement du sel, vous voyez ce que Dieu dit vous êtes le sel de la terre. La terre autour de nous, le monde autour de nous est malade, est stérile, non productif et non fécond. Si nous avons le sel, nous allons dans leur vie. Nous, nous, nous les abordons et notre présence dans ces communautés en réalité rend la communauté meilleure, plus fraîche, féconde, productive. Et dit dans le verset 22 Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il a guéri. Le sel guérit la mal, les plaies. Le sel guérit les individus. Le sel guérit les familles. Et ce n'est pas seulement que nous avons eu le nom de Jésus, nous avons les croyants et nous avons les croyants. Le croyant est le sel. Le croyant est l'agent de sel. Il est un agent de guérison. Il est un agent de guérison dans son église, dans sa famille. Il est un agent de guérison dans L'Assemblée est tu un agent de guérison dans la cellule de maison, lorsque les gens sont abattus, lorsque les gens sont blessés, lorsque les gens sont non contents, lorsqu'ils ont vraiment de l'amertume, lorsque les gens ont des plaies en eux, de l'amertume dans leur corps. Votre présence. Dans cette cellule de maison, ta présence dans cette région, ta présence dans cet état, ta présence dans la communauté en tant que croyant, est-ce que cela apporte la guérison à ces personnes-là, ou bien, ou bien cela les détruit, afin que ainsi les eaux furent guéris et les eaux furent ainsi guéries, assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je prie que nous soyons des agents de guérison au nom de Jésus. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit dans Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, verset 50. Marc, Marc chapitre, tout le chacun doit être le sel de la terre. Tout sacrifice, tout sacrifice doit être assaisonné. Le sel est une bonne chose. Mais c'est bon de juste apporter le sel. Le sel est exigé de Dieu. Le sel est demandé pour le sacrifice. Si nous apportons le sacrifice et que cela n'est pas là, j'offre le sacrifice. J'offre le sacrifice avec des mémures. Ce n'est pas là le sel. Je donne des sacrifices. Sans le sel, avec des, des plaintes, ce n'est pas le sacrifice. Je sacrifie avec la malice, je sacrifie avec l'envie, l'envie pour les autres, pour l'autre qui est en train de sacrifier, de faire des sacrifices. Je fais des sacrifices, mais je suis en train de mûrir. Je dis pourquoi on doit faire ceci encore, pourquoi on doit faire ceci encore. Il y a plus de sel, mais lorsqu'il y a de la joie, lorsqu'il y a de la joie, la joie du salut, lorsqu'il y a l'amour la communion lorsqu'il y a la bonne compréhension entre nous nous tous tout idée tout sacrifice toute offrande doit être assaisonnée de sel. Le sel est bon mais si le sel le sel car tout homme sera salé de feu. Marc chapitre 9 49 car tout homme sera salé de, sel, de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la Vous, le désir en vous, la passion en vous, est votre sel. Avoir la joie pour servir en toi-même, ce n'est pas qu'on est en train de te pousser, de te trembler. Est-ce que oui, je vais faire? Oui, c'est bon, je, on va servir. Mais c'est bon, on, on va chanter maintenant. Oui, c'est bon, on va faire. Mais le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans se et que le nouveau converti ne sent pas, ah, je ne reviendrai plus, Ce sens, je ne vais plus revenir, revenir, je ne pense pas que je vais revenir encore. Est-ce y a du sel dans la famille Vous savez, les enfants sont contents de sortir de la maison. Ils se disent, ah, vraiment, la maison est tellement chaud, chaude, j'allais dire, chaude pour eux de vivre. Mais lorsqu'il y a le sel. Je, ils vont dire, ah, je veux plus de ce temps. J'ai besoin plus de la communion familiale. J'ai besoin plus de la communion. J'ai besoin de revenir dans cette maison. C'est tellement beau de rester là-bas. Ayez le sel en vous. Ayez la paix les uns envers les autres. Ayez du sel en vous-même. Verset 51. Et soyez en paix les uns avec les autres. S'il n'y a pas le sel, notre sacrifice n'est rien. Colossiens, chapitre 4. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Conduisez-vous avec la sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Marchez dans la sagesse. Quel genre de sagesse, la sagesse divine, quel genre de sagesse, la sagesse de Christ, quel genre de sagesse, la sagesse qui plaît. La, cela ne parle pas de la ruse, le fait d'être rusé, le fait d'être malin, le fait d'être mesquin, cela ne parle pas de l'hypocrisie, cela ne parle pas de la déception, la séduction des autres. Cela parle de la salle de Dieu qui vient dans la vie, dans la vie des autres, et que maintenant il dit envers des Dieu et aussi cela nous permet de racheter le temps, de saisir les opportunités que vous avez, les opportunités que vous avez pour toucher les vies, racheter le temps, les opportunités que vous avez pour résoudre un problème, racheter le temps, les opportunités que vous avez pour toucher quelqu'un, la vie de quelqu'un, échanger cette personne afin que cette personne va être va se retrouver pour devenir un voisin heureux. Racheter le temps quel est le mot qui suit? Je dis, quel est le mot qui suit là-bas? Je n'entends plus mon peuple. Euh, dites cela encore. Verset 6. Que votre parole soit toujours, toujours, que toujours. Vous savez, il y a des moments où nous sommes fatigués. Mais la grâce doit être toujours là. Il y a des moments où les choses ne vont pas. Tels que doivent aller physiquement. Mais il y a des moments où nous avons vraiment des tristesses dans nos pensées, dans nos cœurs. Peut-être quelque chose s'est passé sur la voie, quelque chose s'est passé dans la famille, quelque chose s'est passé à l'école, quelque chose s'est passé au service. Mais, mais toujours, toujours, il est toujours, peu importe ce qui arrive, peu importe tout ce qui arrive, une fois que vous ouvrez la bouche, que la grâce sorte peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qui se passe en vous, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Si vous ne voulez pas parler, si vous ne pouvez pas parler avec la grâce, ne parlez pas, gardez silence, parlez le temps dans la prière pour avoir plus de la grâce de Dieu dans votre vie, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, assaisonnée de sel. Vous parlez de manière assaisonnée, votre attitude est assaisonnée, vos interactions assaisonnées, votre communion assaisonnée et vos actions assaisonnées. Tout ce que vous faites, que cela soit assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut, comment il faut répondre à chacun, comment il faut répondre à chacun, comment il faut répondre. Il y a des gens qui ont des caractères difficiles, difficiles à coopérer, qui ne sont pas sociables, mais alors, qui est la paix entre vous Vous devez savoir comment répondre à chacun. Vous savez ce que le Seigneur dit à propos du sel Il dit que nous tous, qui sommes convertis à Christ, nous tous, qui sommes des croyants en Christ, nous devons avoir, nous devons posséder, nous devons démontrer les caractéristiques du sel, les qualités du sel. Quelles sont ces caractéristiques Numéro un. Pur et blanc, pur et blanc. Le si le sel n'était pas pur, vous n'allez pas l'utiliser. Si le sel n'avait pas la bonne couleur, vous n'allez pas l'utiliser. s'il il n'y avait pas un besoin, vous ne pouvez pas l'utiliser. Parce que le sel, pour que le sel soit utile, il doit avoir de la pureté et de la blancheur. Cela parle de votre vie. Vous devez être pur et vous devez être vous devez avoir des intentions pures, des motifs purs, des actions pures. Numéro un pur et blanc. Numéro deux séparé et lavé, séparé et lavé. Nous voyons le sel. Quand nous mettons le sel dans un contenant, il se ce, ce, ce sel est séparé de toute autre chose parce que si ce sel n'est pas séparé Ouais, nous met, nous nous met, si nous ne nous mettons pas ce sel dans une boîte séparée, il ne peut pas être utilisé. S'il n'est pas séparé pur, qu'en est-il de votre vie et vous séparé, êtes tu séparé de la corruption de la société, des ténèbres dans la société et des, des crises dans la société, des déviations dans la société ou bien êtes-vous des gens qui brandissent des pancartes alors Ceci doit se passer et nous faisons la grave. Et vous n'avez pas. Et vous êtes parmi ces gens et vous n'êtes plus le seul. Il doit voir. Vous devez être séparé et laver. Numéro 3, préserver. 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 Et non, fader. Vous êtes préservé et vous ne perdez pas la saveur. Vous êtes préservé et vous vous rassurez qu'il n'y a pas un ingrédient qui vient pour détruire. Vous devez être préservé dans la nature normale. Alors, le sel doit être préservé. Numéro 4. Doux et assaisonnant. Doux et assaisonnant. Pensez à vous-même. Pensez, lorsque vous pensez à vous-même, de manière honnête, est-ce que vous êtes doux? Est-ce que vous êtes gentil? Vous êtes... Un homme gentil, une femme gentille, dans votre cœur, est-ce que c'est facile de travailler avec vous? Est-ce c'est -ce est facile d'interagir avec vous? Ou bien les gens juste vraiment essaient de de supporter, d'endurer, et nous ne vous, vous pouvez pas faire. Peut-être à ah, la femme ne peut pas supporter. On doit juste vraiment faire avec. une ne pense pas, il ne pense pas qui sera une bénédiction pour les autres. Il, il est égocentrique, il est l'homme de sa volonté, il est têtu, il est incorrigible. Que pourrons-nous faire Il fait partie de nous. Bon, nous essayons de nous de gérer, nous essayons d'endurer. Bon, chaque fois, nous, nous l'évitons. Et chaque fois, nous, ah bon, est, il est un bon débarras. Mais si vous êtes seul, vous devez être doux et assaisonnant. Numéro 5, utile. Lorsque, lorsque utile, Utile, utile lorsque vous êtes diffus. Mais lorsque vous ne mettez pas le sel ensemble, le sel devient inutile lorsqu'il est dispersé. Inutile, mais alors des gens, ils ne sont pas effectivement des gens qui interagissent avec les autres. Ils sont toujours utiles lorsque le, le sel est purifié ou bien filtré. Unique et universel. Le sel n'est semblable à aucun autre ingrédient. Vous ne pourrez pas dire voici le sel. Mais ce n'est pas du sel, mais c'est comme le sel. Ceci, c'est le sel, mais c'est comme ce n'est pas le sel. Non, le sel est distinct. C'est unique et universel. Lorsque un Européen prend le sol, le sel, l'Africain, l'Américain, le Chinois, le jeune, l'homme âgé, l'adulte, les femmes, les hommes. Lorsque chacun prend le sel, c'est universel. Est-ce que vous êtes un chrétien universel de cette manière Partout où vous allez, vous, on ne reconnaît pas si vous êtes Yoruba, vous êtes Igbo, vous êtes Hausa, vous êtes qui que ce soit, vous êtes sel partout. Et vous. On ne reconnaît pas si vous êtes vraiment, vous venez d'un autre pays de l'Afrique de l'Ouest ou vous êtes d'un pays de l'Afrique de l'Est ou bien de l'Afrique centrale. Que vous êtes, que vous soyez un francophone ou bien un anglophone, alors vous êtes justement celle, c'est unique et universel. Qu'en est-il de votre propre vie chrétienne Qu'en est-il des gens, qui, avec qui vous côtoyez, des personnes à qui avec qui vous coopérez. Vous dites, ah, cette personne n'est pas de, mon, de ma tribu, ne parle pas mon dialecte, ne parle pas ma langue, cette personne n'est pas de ma région. Non, ça, ce n'est pas le sel. Le sel est unique et universel. Numéro 7, réserve, préservant, préservatif, préservatif et de influençant. Le sel préserve de la putréfaction afin que... Lorsque nous mettons le sel dans la viande, la viande est préservée de la putréfaction. Alors, préservatif et influençant. C'est là la vie du croyant. Est-ce que vous préservez les gens qui viennent à vous de la corruption Est-ce que vous les préservez de la rétrogradation, du péché, de la tentation Si vous étiez le sel, vous devez préserver, vous devez être un préservateur partout où vous allez. Au milieu de la communauté, s'il y a quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui, qui n'est pas selon le standard, vous mettez cela en ordre parce que vous préservez, vous influencez. Numéro 8, purifiant et guérissant, purifiant et guérissant. Alors, il ôte l'impurité, le sel ôte la putréfaction, ôte tout ce qui n'est pas. Bon, alors, quel que soit l'élément dans lequel vous mettez le sel, la nourriture, la viande, peut-être vous avez quelque chose dans la bouche et vous mettez un peu dans le, le sel, dans l'eau, et vous mettez dans votre bouche et vous mettez ces choses, ces plaies dans votre bouche sont guéris. Alors, purifiant et guérissant. Est-ce que votre vie guérit les autres ou bien votre vie blesse, agace ou bien votre vie... Blesse votre femme, la vie des autres personnes. Numéro 9, constant et prévisible. Constant et prévisible. Si vous connaissez quelque chose, le caractère que vous pouvez connaître du sel. Quand vous mettez le sel dans la boîte, le sel maintient toujours le caractère à saisonnance. C'est prévisible. Chaque fois que vous prenez ce sel, vous pouvez prévoir, vous pouvez prédire son caractère, comment il peut réagir. Êtes-vous prévisible, prévisible, ou bien vous êtes vraiment incertain, vous êtes vraiment non prévisible. Et peut-être lorsque vous avez mangé tout, tout va bien. Lorsque vous êtes content, tout va bien. Et maintenant, quand quelque chose vient à vous, vous n'êtes plus comme vous étiez. Vous n'êtes pas prévisible. Mais pour ce qui concerne le sel, le sel est constant et prévisible. prévisible. Nous pouvons voir que le sel est nécessité. Le sel est recherché. Recherché par les saints et les pécheurs. Recherché par les saints et les pécheurs. Nous tous, pécheurs, saints, nous avons tous besoin du sel. Alors Jésus dit Vous êtes le sel de la terre. Rassurez-vous que vous êtes recherché partout. Vous allez, vous êtes, vous êtes, vous êtes recherché. Numéro 11, vous êtes indice. Il est indispensable et irremplaçable. Vous ne pouvez pas remplacer le sel. Le sel est indispensable et irremplaçable. Pas d'alternative. Et que vous dites, ah, je vais remplacer ce sel par autre chose. Non, ça ne, marche, ça ne marche pas. Cela ne peut pas aller parce que le sel est indispensable et irremplaçable. Numéro 12. Serviable pour Dieu. Serviable pour Dieu et aux hommes. Serviable. Pour Dieu et pour les hommes. Dieu a dit: Ah, j'ai besoin de ce sel. Mettez cela dans mon sacrifice, dans mon offrande. Et ce, cela rend service à Dieu et aux hommes. L'homme a besoin de ce sel, Dieu également. Je prie que nos vies soient comme ce sel. Ma vie sera comme cela. Pur et blanc. Séparé et lavé. Préservé et non. Souillé, doux et assaisonnant, utile et lorsque filtré, unique et universel, préservateur et influençant, purifiant et guérissant, constant et prévisible, recherché par les saints et les pécheurs, indispensable et irremplaçable. C'est viable à Dieu et aux hommes. Deuxième point maintenant. L'inutilité et le rejet des, du sel fade. Et sans saveur. Lorsque vous laissez le sel et qu'il perde sa saveur, ce sel a perdu sa douceur. Il a perdu sa saveur. Il a perdu son agent assaisonnant, il sera ainsi rejeté, jeté, et maintenant, il est inutile. L'inutilité est le rejet du sel sans saveur. Nous voyons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dès que ce sel devient sableux, devient seul fade, il est rejeté. Marc, chapitre 9. Nous lisons le verset 50. Marc chapitre 9, nous lisons le verset 50. On nous dit dans le verset 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la l'assaisonnerez-vous? Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit encore et encore à de diverses manières pour dire qu'il est possible pour que le sel perd sa saveur. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 34. Luc chapitre 14. Verset 34. Dans le verset 34, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la saisonnera-t-on? Avec quoi la, saison, la saisonnera-t-on? Il répète cela encore. Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je prie que nous aurons des oreilles pour entendre. J'ai dit, hier, nous aurons des oreilles pour entendre. Lorsqu'il dit celui, il parle d'un individu. Celui qui a des oreilles, l'individu qui a des oreilles pour entendre, que la possibilité est là pour que le sel perde sa saveur et ainsi qu'il perde cette position. C'est celui qui a l'oreille pour entendre, mais que celui qui entend et ne fait pas cela, celui qui entend et n'applique pas cela, et que la saveur, la saleté, pas. Cette personne n'a pas fait usage de la parole de Christ. Et finalement, le Seigneur dit il sera jeté dehors, il sera rejeté, il sera foulé aux pieds, il sera banni. Nous venons dans 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9, verset 6. 1 Roi chapitre 9, verset 6. Dans le verset 6, on nous dit un roi, c'est dans un roi, chapitre 9, verset 6. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, Israël, en tant que nation, perdant sa saveur. L'Église en tant que dénomination, perdant sa saveur, l'Église locale en tant que une assemblée locale perdant sa saveur perdue perdant la saveur, la faveur de la grâce de la doctrine qui change, qui transforme la vie, il dit il va rejeter Israël rejeter à Israël loin de la maison que j'ai consacrée à mon nom et Israël sera un sujet de sarcasme, n'oubliez pas cela la maison de Dieu est sanctifiée pour son nom, pas pour un homme, pas pour une femme, non pour un autre, une autre personnalité. La maison de Dieu est remplie et est placée là pour que les gens viennent et qu'ils trouvent cette maison agréable et qu'ils trouvent cette maison adéquate, propice pour louer Dieu. Et d'ici si ces gens, s'ils si abandonent cette maison. La parole de Dieu il dit ce que cette maison qui a été sanctifiée, je vais les rejeter loin de moi et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples est-ce que vous voyez ce point le seigneur veut que nous préservions la douceur la saveur et la grâce la grâce et l'amour et les choses qui aideront qui nous aideront à présenter notre sacrifice au Seigneur de Roi, chapitre 17, verset 17. Il y a la possibilité de perdre nos expériences chrétiennes lorsque nous perdons ce qui nous amène à être comme Christ, lorsque nous perdons la grâce de Dieu dans notre vie et que nous perdons la gloire de la vie chrétienne dans notre vie. La possibilité, il y a la possibilité et que vous pouvez perdre ce salut, que vous pouvez perdre cette expérience. Ainsi, on nous demande, nous sommes ainsi rejetés. Dans 2 roi, chapitre 17, le verset 17, 17, 17, 2 roi, chapitre 17, verset 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Ils se vendirent. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Lorsque les gens se vendent eux-mêmes pour faire le mal, ils perdent la saveur et la grâce de Dieu. La, le sel de l'expérience chrétienne lorsque cette saveur est perdue lorsque cette douceur est perdue lorsque cette expérience chrétienne est perdue voyez ce qui suit dans le verset 18 maintenant aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face cela c'est ils sont rejetés loin de la présence de Dieu la présence de Dieu est bannie la protection de Dieu est ôtée la puissance de Dieu est ôtée et maintenant, il n'est resté, resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. C'est le sens de ce que nous disons, le sens du sel qui perd sa saveur, rejeté, banni, foulé loin de la présence de l'Éternel. Dans Luc chapitre 9. Nous lisons le verset 25, Luc chapitre 9 25. Dans Luc chapitre 9, le verset 25. Luc chapitre 9, il s'agit de ce que Jésus-Christ a dit. Et que servirait-il à un homme de gagner Quel profit revient-il à l'homme Quel avantage revient-il à l'homme S'il gagne le monde entier et qu'il se détruise ou se perde lui-même, s'il se perd. Dans la main de Satan. Satan veut qu'il soit un instrument. Satan recherche un outil et il devient un instrument dans la main de Satan. Alors il se perd lui-même dans la main, dans la main du péché. Le péché va, le péché rôde, cherchant qui utiliser. Alors il se perd dans le péché, il se perd dans la main de la société. Et à cause... De ce que la société est corrompue, la société l'avale, l'engloutir, et que maintenant, il se perd dans le jugement pour toujours, pour toute l'éternité. Je considère Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, nous lisons le verset 8. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Dans le verset 8, il dit Produisez donc. Du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Les arbres au pluriel, tous les arbres, quiconque, tous les arbres, qui, quiconque dit je suis Christ, je suis la foi d'Abraham, je suis un enfant de Dieu, est-ce que tu portes des fruits? Ou bien as-tu encore l'assaisonnement as du sel? Es-tu doux pour Dieu? Es-tu agréable à Dieu? Es-tu doux dans la maison de Dieu, envers le peuple de Dieu et que maintenant, est-ce que maintenant, il dit, déjà la croyée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit, notez bien cela, remarquez bien cela, tout arbre, peu importe la conviction, la, persu la persuasion religieuse, peu importe la dénomination, l'église locale, tout arbre, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est le rejet, ça. C'est le rejet, l'abandon, le bannissement. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, le verset 11. Matthieu chapitre 8, nous lisons le verset 11. Matthieu chapitre 8, verset 11. On nous dit Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs. Ça veut dire, ceux qui se réclament être du royaume. Et Jésus est venu vers eux. Il, est, donné, il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas eu la, le cède de la grâce dans leur vie. Ils n'ont pas le salut, pas de la nouvelle naissance, l'expérience de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de connexion avec Christ. Et à cause de leur choix, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Matthieu, chapitre 13, le verset 47. Matthieu, chapitre 13, verset 47. Matthieu, chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, les pêcheurs, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils le mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront, ça c'est le mot, le mot, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a un rejet, il y a une disqualification embannissement, l'exclusion du royaume de Dieu, si le sel perd sa saveur, si le croyant perd sa, ses attributs assaisonnants, perd la saveur de la grâce, du salut, qui le, qui fait de lui un sel sur la terre, du sel sur la terre. Si le croyant perd cela, il est ainsi moins que profond. Il est Moins que rien, il est inutile, il est rejeté. Voyons Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 26. Matthieu chapitre 25. Nous lisons le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Cette personne a perdu la saveur. Elle ne peut plus accuser le Seigneur. Elle accusait le, le maître. Tu es méchant. Tu demandes un service. Tu demandes ceci. Tu veux des fruits. Pendant que toi, tu n'as pas semé, tu veux que je sois en train de travailler. De travailler. Le Seigneur dit Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Voyez le verset 30 maintenant. Il est le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du de dehors. Quel genre de serviteur es-tu? Es-tu profitable pour le royaume? Es-tu profitable pour l'Église? Es-tu profitable pour le peuple de Dieu? Es-tu profitable pour le peuple que vous dirigez? Es-tu profitable pour pour être le sel pour être un agent d'assaisonnement rendant leur vie douce. Ou bien vous rendez la vie des gens opprimés et vous les rendez vraiment épuisés, fatigués, dépouillés. Et ne peuvent plus faire ce à quoi le sel les a appelés à faire. Et il dit le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous venons dans Jean. Chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le verset 6. Jean chapitre 15. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, cela parle du salut. Si quelqu'un ne demeure pas, c'est comme ça. Il se prit de la relation avec le Seigneur. Si quelqu'un ne demeure pas, c'est comme ça le sel perd sa saveur. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, c'est comme ça un disciple perd les caractéristiques de Christ. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Et il brûle. Il parle de, du rejet final, de, de l'exclusion finale. Il parle de l'exclusion finale. Si le péché demeure, si un chrétien, après être né de nouveau, rétrograde et demeure dans cette rétrogradation et qu'il demeure dans ce péché jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort ne vienne. Parfois, il y a la mort subite. La mort subite n'est pas bonne. Ce n'est pas bon de souffrir, de souffrir, tomber malade et que la personne souffre. Mais d'un autre côté, si quelqu'un est malade, ayant la douleur et qu'il prie, son dans sa vie, se disant, est ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai mal agi ou bien j'ai abandonné ma foi. Cette personne a la chance de se repentir. Cette personne a la chance de se reconnaître. Cette personne a l'opportunité de retrouver le sel dans sa vie. Mais si quelqu'un meurt accidentellement, subitement, il n'a pas l'opportunité d'examiner sa vie, pas d'opportunité, de, de, de chance de, de se préparer, pas d'opportunité de, 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 de retrouver la saveur, l'assaisonnement du sel, la douceur et la grâce dans sa vie. Et que maintenant... Il est ôté de ce monde et que cette personne entre dans une perdition soudaine. Mais lorsque, pendant que vous avez encore la vie, pendant que vous avez l'opportunité de vivre, ne prenez pas cela à la légère. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende afin de ne pas peur de parvenir à ce point où vous êtes rejeté. Il est rejeté par Dieu, par les hommes et par Christ et qu'il est rejeté. Et c'est un rejet final. Si c'est un, un rejet au jour final, c'est un rejet à la fin. Ce type de rejet est irrémédiable. Ce type de rejet est, est irrémédiable, non réparable. Il n'y a plus... Aucune autre possibilité d'avoir le salut après la mort. Plus de seconde chance pour se repentir après la mort. Il n'y a plus de chance pour se reconnaître à Dieu, de se, de se réconcilier à Dieu après la mort. Maintenant, c'est le jour, le jour du salut. C'est le seul jour où nous pouvons avoir la restauration, la réconciliation, le renouvellement et apporter votre vie, ramener votre vie. À l'autel et renouvelle votre vœu et le Seigneur va restaurer chacun, toute personne ayant s'étant éloigné de lui au nom de Jésus. Je pensais que l'Église du siège allait dire Amen. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres. Tout ce que l'apôtre a dit, je dois être veillant, vigilant, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je me perds et que je devienne rejeté. Je prie que personne d'entre nous ne sera rejeté au nom de Jésus. Nous venons. Dans Matthieu chapitre 5, nous revenons dans Matthieu chapitre 5. Troisième point maintenant. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous voyez, on dit le caractère utile. Vous considérez un équipement, vous dites, ah, je peux l'utiliser. C'est tellement inexploitable. L'exploitabilité. L'exploitabilité et le caractère des saints resplendissants et irrépréhensibles. L'exploitabilité des saints resplendissants et irrépréhensibles. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ne cachez pas la lumière. Ne couvrez pas la lumière, ne dissimulez pas. Et vous êtes sauvé. Démontrez cela. Vous êtes sanctifié. Révélez cela. Démontrez cela. Vous avez la puissance du Saint Esprit dans votre vie. Laisse-nous voir cela. Vous avez la voix, vous avez la voix, la manière de vivre pour plaire à Dieu. Ne dites pas, ah, je ne veux pas vraiment sonner de la trompette, je ne veux pas faire vraiment du matu-vu, je ne veux pas faire de l'exhibition, je ne veux pas faire des choses pour que l'on... De... Non, Jésus a dit, que je dois briller, que ta vie brille devant les hommes, que votre vie resplendisse devant les hommes, que votre voisin voit que vous êtes né de nouveau, que votre mari... « Vois que vous êtes né de nouveau, que votre femme voit que vous êtes né de nouveau, que vos enfants voient, que vos collègues voient que vous êtes différents, que vous êtes, vous, vous êtes sains, que le monde autour de vous, que votre vie, que votre lumière brille tellement, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est là l'objectif, c'est le but, c'est l'intention. C'est afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nos vies vont briller. Si la lumière ne lui pas, cela me dit que la lumière n'est pas là. Mais si la lumière est là, elle va luire. La lumière de l'Évangile, la lumière de la parole de Dieu. Si elle est là, elle doit luire. Que votre vie luise. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 11. Jean chapitre 8, le verset 11. Jean chapitre 8, le verset 11. Elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Tu ne peux plus continuer à pêcher. Tu ne peux pas continuer à pêcher, à pêcher, à pêcher pour dire que ta vie, ta vie lui, si tu continues dans le péché, ta vie ne brille pas. Voyez le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dites-moi, il aura la lumière de quoi De la vie. Si vous en êtes né de nouveau, vous devez démontrer cela. Si vous en êtes né de nouveau, votre lumière va briller. Voyons le verset 46 dans le chapitre 12 de Jean. Je vais joindre cela au verset 36. Jean chapitre 12, verset 36. Je vais remonter au verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Vous avez la lumière, Christ, la lumière du monde. Il est tout près de vous. C'est votre opportunité, c'est votre chance. Le, au temps de la tribulation et que l'Église est enlevée, vous n'aurez pas... Vous n'aurez pas la possibilité, vous n'aurez pas la possibilité de prêcher. Ce serait un temps de ténèbres, un temps d'épreuves, d'angoisse, un temps de la grande tribulation. Mais pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Voyons le verset 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde. » Afin que qu'on croit, voyez cela, afin que qu'on croit partout, afin que qu'on croit genou, vieux, afin que qu'on croit l'homme ou la femme, afin que qu'on croit le père ou la mère, afin que qu'on croit le lettré ou l'analphabète, afin que qu'on croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Nous n'allons pas demeurer dans les ténèbres. Je dis, hein, nous n'allons pas demeurer dans les ténèbres. Romains chapitre 13. Romains, Chapitre 13, je lis à partir du verset 11. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. 13 et 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant, ce dont il parle, il parle du salut final. Le Saint est sur le point d'arriver et nous avons été sauvés de ce monde de cette génération perverse nous avons été sauvés et enlevés de ce monde de corruption ce monde de l'épreuve des épreuves des tentations alors la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière marchons Honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, loin des jalousies, Christ, les conflits, les bagarres, les querelles, la violence proviennent viennent des ténèbres. Cela vient du monde. Cela fait partie de la, du monde pervers et corrompu. Mais maintenant, marchons honnêtement, comme si nous étions dans la lumière, dans la journée. Verset 14. Mais revêtez-vous revêtez du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous abordons Philippiens, chapitre 2, verset 14. Philippiens, chapitre 2, nous lisons le verset 14. Philippiens, chapitre 2, quel verset Votre voix est tellement basse, s'il vous plaît. Verset 14. Faites quoi Faites et sans. Dites-le-moi, dites-le-moi. Vous savez, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, quelque chose de bon. Et on doit d'abord faire du débat, discuter, se disputer, argumenter, parler de cette, telle manière, parler de telle manière, telle, pousser, pousser, tirer. Ça, ce n'est pas de la chrétienté. Il dit, vous venez de tout votre cœur, vous venez avec votre pensée, tout votre pensée, vous venez avec votre volonté. Et vous dites, il dit, faites toutes choses. C'est de cette manière nous sommes du sel. Nous sommes du sel. Pas de plaintes, pas de murmure. Il pas de débat, pas de discute, Peu importe ce que nous faisons dans la... après des discussions, des débats, après tant de discussions, après tant de, de débats houleux. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas cela. De la... Nous ne faisons pas ces choses de la profondeur de notre cœur. Si nous faisons quelque chose. Dans l'amour du Seigneur rempli, alors nous devons faire toute chose, faire toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de la pas. Je prie que je vais me rejeter en ce jour-là. Parce que je te verrai là-bas. Et tu maintiendras ta grâce, tu maintiendras ton salut, tu maintiendras ta conviction, tu maintiendras, tu vas briller et lui dans ton service comme la lumière, dans ta maison, dans ta communauté, dans ton village là-bas. Et tu nous permettras à... Personne aux oh, villageois de vous retourner, de t'attirer, de, ta, de te ramener dans le ténèbre d'idolâtrie pour dire ah, ah, viens prendre le titre de chefferie pour te connecter au ténèbres. Tu dis Non, moi, je suis un fils de la lumière. Je vais continuer à marcher, à marcher dans la lumière. Je vais continuer à vivre dans la lumière. Et vous allez demeurer et vivre dans la lumière jusqu'à la fin au nom de Jésus. Alors, nous allons nous régir sur vous en ce jour, au jour du script, de n'avoir pas courir en vain, n'avoir pas courir en vain, ni travailler en vain. Nous n'allons pas travailler en vain sur l'Église au nom de Jésus. Venons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessalonicien chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 5. Dans le verset 5, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Car... Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acte des apôtres, chapitre 26. Acte, chapitre 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est ce que les ministres doivent faire afin que tu leur ouvres les yeux. C'est ce que le dirigeant de la cellule de maison doit faire pour que tu leur ouvres les yeux. C'est ce que tout pasteur, tout dirigeant doit faire. C'est comme ça que nous montrons la lumière, la lumière aux gens. Nous les amenons à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu afin que tu leur ouvres les yeux. Les yeux de l'entendement, de la compréhension, les yeux de leur cœur, les yeux... De leur cœur pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour que dans tout domaine de l'œuvre où vous êtes positionné, vous avez des gens sous votre leadership, vous avez des gens sous votre influence. Et si ces gens sont ignorants, ignorants j'allais dire, la, ce sont des ténèbres. Ils sont dans les d'ignorance. Les ténèbres d'ignorance, vous les amenez dans la lumière de la révélation et vous les détournez. De ces ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés. Comme vous les illuminez, ils se rendent compte qu'ils sont fautifs et ils vont à Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés et ainsi ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Si vous êtes un vrai dirigeant, si vous devez être un dirigeant, à être récompensé, vous devez, votre caractère, votre modèle, votre style de vie doit transformer les gens, doit détourner les gens des ténèbres pour les conduire vers la lumière, va les amener à faire partie des héritiers, des sanctifiés, avoir l'héritage avec les sanctifiés en Christ. Nous venons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 2. Nous considérons le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, contraire, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Examinez votre propre vie, votre propre appel, examinez votre propre démonstration de la grâce de Dieu. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez été choisi Est-ce que vous vous rappelez que vous avez été choisi pour un objectif particulier Si est-ce que vous accomplissez l'objectif pour lequel vous êtes choisi Vous vous êtes choisi pour, pour faire partie d'une nation sainte, un peuple acquis. Est-ce que vous portez la dignité, la royauté de votre appel Est-ce que vous êtes ou bien vous êtes négligent ou vous êtes comme euh, un individu lambda et vous ne portez plus ces choses, ces vertus, vous êtes peu qui, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Or, oh, des ténèbres à son admirable lumière. Nous abordons 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, le verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. La nouvelle, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous, avons, nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il dit, si nous sommes des enfants de Dieu, il doit avoir de la piété sans aucun péché du tout. Il doit avoir de la grâce sans de la dégradation. Il doit y avoir la bonté et le beau caractère à nous sans aucune tâche du mal. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Si nous disons, c'est le témoignage. Si nous disons par la profession, la déclaration, nous disons... Et que nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, confiants pour le proclamer. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière chaque jour, marchant faisant du progrès chaque jour, chaque pas que vous faites, un pas dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous avons la communion l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Vous savez, il y a d'autres personnes qui disent, je sais que je marche dans la lumière, mais je sais que j'ai des péchés dans ma vie. Mais j'ai besoin de la communion. J'ai besoin de la communion. Si vous, si vous ne, si vous, si vous ne m'offrez pas la communion, pourquoi suis-je dans l'église? Si vous êtes dans l'Église, Dieu nous a appelés à être sauvés. Tu es dans l'Église pour entendre la parole de Dieu, afin de l'appliquer à ta vie. Tu es dans l'Église pour avoir la grâce de Dieu dans ta vie, afin de vivre dans la vérité, dans la lumière. Ainsi, pour, pour être capable de marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui dans la lumière, nous sommes, comme, nous sommes mutuellement en communion. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. De combien de péchés Nous purifie de combien de péchés De tout péché. Comme le Seigneur nous donne la grâce. Nous, nous allons le faire. Pour qu'au jour final, quand nous quitterons ce monde de ténèbres. Pour aller, ce sera dans la lumière pour toujours. Voyez Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, 40 à 43. Matthieu 13, chapitre 13, verset 40 à 43. Or, oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, et en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Nous sommes dans Matthieu 13, verset 40. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voyez le verset 13, 43, j'allais dire. Alors, les justes, ça c'est moi. Je dis, cette partie c'est pour moi. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'ai des oreilles pour entendre. J'ai entendu et je vivrai selon la parole de Dieu. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Pour combien de temps À toujours et à perpétuité. Revenons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je voudrais que vous considérez ce mot, ce mot, afin, ce mot ainsi, j'allais ainsi, considérez le mot ainsi. Que votre lumière luise, c'est bon, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Mais que votre lumière luise ainsi, ainsi, devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Si vous le faites, vous dites, ah, je fais de mon mieux et que nous ne le voyons pas encore. Nous ne le voyons pas. Vous devez faire davantage. Nous ne le voyons pas encore. Je fais, je, je sais de mon, mieux, de mon mieux. Je fais, je me tracasse, je me plie en quatre. Ah, je fais et je sais le Seigneur. Nous ne voyons pas cela encore. Si nous ne pouvons pas le voir, si ce n'est pas remarquable, notable, alors que votre lumière lui est ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous essayons. Vous vous dites, oui, j'ai essayé. Non, en pas encore essayé. Parce que nous, on n'a pas encore vu. Tu dis, nous marchons, nous évangélisons, nous en pas encore vu cela. Nous, nous faisons le suivi, non. Nous ne l'avons pas encore vu. Nous faisons la formation des disciples, mais nous ne le voyons pas encore. Nous nous efforçons d'implanter les églises. Nous, nous, nous ne voyons pas encore cela. On a des stratégies pour atteindre. Si nous ne le voyons pas, si ce n'est pas remarquable, alors mettez plus d'efforts, investissez davantage et faites ce à quoi le Seigneur vous a appelé, que votre lumière luise ainsi. Cela veut dire que votre luise resplendit de manière remarquable. Pas seulement. Que votre vie bénisse les autres. Que votre vie bénisse les autres. Le bien que vous apportez envers ces personnes, que votre vie influence les autres. Afin que les gens sachent que vraiment vous les avez influencés, que ce frère m'a influencé, cette chemin a influencé, que votre vie, que votre vie lui ainsi. La lumière guide, oriente. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, nous ne savons pas où mettre le pied. Nous ne savons pas quel chemin prendre. Nous ne connaissons pas le chemin. Mais lorsque la lumière brille, la lumière nous guide. La lumière nous oriente. Que votre vie guide, que votre lumière guide les autres pour que les autres disent, ah, ma vie aurait été ruinée. J'aurais j'aurais gâché ma vie. S'il n'eût été cette soeur, ce frère, telle, telle soeur, tel, tel frère. Que votre vie luise ainsi et illumine les autres. C'est ce que la lumière fait. Vous illuminez et vous le faites tellement bien pour que les gens disent, j'étais ignorant, je ne connaissais rien. Mais lorsque ce temps est venu, à ma rescousse, il m'a sauvé, il m'a aidé et il m'a illuminé. Que votre lumière soit tellement prête à lui. Que votre lumière soit active, pas une lumière terne, une lumière sombre. Et que rien ne vous ne brillez à rien. Que votre lumière soit tellement radieuse, que votre vie soit juste, pas seulement juste, non, que votre vie soit tellement juste. Vous dites, je vous êtes juste, ah, je suis juste, et que ma femme ne voit pas cela. Moi, c'est moi qui sais que je suis juste. Mon mari sait que je suis juste, mais et lui ne voit pas moi. C'est moi qui sais que je suis juste les gens de l'église, ils, ils, ils peuvent ne pas le voir, moi je sais que je suis juste, mais que votre vie soit tellement juste, soit ainsi juste, que votre vie soit ainsi euh, une assistance, une aide pour les autres, et que cela conseille, que cela, et il évangélise, il, il conseille que votre vie apporte de l'aide, que votre vie soit révélatoire, ou bien révélatrice, c'est pas que quelqu'un laïque Couvre l'amour, il cache l'amour, vous cachez la communion, vous cachez les choses, vous couvrez les choses, vous, vous, vous couvrez l'immoralité, immor, vous ne révélez pas les choses, vous ne, votre vie n'est pas exposée, la, la lumière va exposer, la lumière va révéler que votre vie révèle tellement les gens pour que les gens disent. Ah, cet homme, il ne cache rien. Il ne s'implique pas dans le mal, dans les choses qui vont, qui vont impliquer l'hypocrisie. Il ne coupe pas l'hypocrisie. Que votre vie tellement apporte la conviction. Vous savez, il y a des gens qui viennent à vous. Lorsqu'ils veulent faire des choses, ils disent non. Je ne veux pas voir la main. Dans ce, ils viennent vers vous pour dire faisons ceci. Vous dites non, je ne veux pas le faire. Que votre vie apporte la conviction. Que votre vie apporte la grâce dans la vie des autres. Ainsi, vous révélez, à cause de cela, vous révélez, vous, vous apportez la conviction, à cause de cela, vous convertissez, à cause de cela, vous apportez la grâce à ces personnes-là que votre vie glorifie tellement Dieu, que votre vie ainsi glorifie Dieu, que votre vie glorifie ainsi Dieu pour que les gens le voient, vous savez. Ce que je sais de ce frère, pour que les gens disent, ce frère, je sais, il ne fera rien qui ne glorifie pas Dieu. Il, avant de faire quelque chose, il prie, il prend le recul, il médite sa Bible, il ne s'implique pas dans une chose qui ne va pas glorifier Dieu. Que votre vie glorifie tellement Dieu, ce n'est pas le moi. Pour que les saints et les pécheurs puissent voir vos bonnes œuvres, tes bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Je prie que votre lumière luira. Votre lumière va luire. Elle va luire de plus en plus, de manière croissante, et jusqu'au jour glorieux au nom de Jésus. Que votre lumière luise ainsi. Que votre lumière luise ainsi. Est-ce que vous allez permettre à votre lumière de luire, allez-vous permettre à votre lumière de luire, que votre lumière luise devant les hommes? Ce n'est pas devant... Ce n'est pas dans le secret, dans la cachette, c'est devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, le Père miséricordieux, le Père de grâce, votre Père qui sanctifie, votre Père céleste. Il, ainsi, il va être glorifié. Ainsi, la récompense pour vous sera grande. Que l'Église crie Amen. Levez-vous maintenant et parlez au Seigneur. Dites Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai prié. Si cette parole, ma vie va briller. Je serai la lumière, le sel, et ma vie va briller. Ma vie va luire et ma vie va assaisonner les autres. Va assaisonner les autres. Ma vie va aider les autres à être ce qui doivent être, ceux qui doivent être.